I blow out. Hey, boy. I don't care about it. Hey, la roche, I bet he pushes it. Ah, et laisse ça à toi, Dan. Vous deviez nous faire escorte hein? jusqu'à Jérusalem. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu nous chercher? Ne vous fâchez pas, ma toute belle. C'est parce qu'entre-temps, nous avons changé d'avis. Ben oui. On est bien ici, hein? Allez, on est bien, oui. Alors rendez-moi le prix du voyage que j'ai payé d'avance. Quoi, l'argent? On l'a bu. Enfin, presque. Venez donc. Venez nous aider à boire le reste. Vous abusez de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Si j'étais un homme, vous pouvez m'en croire, ça ne se passerait pas ainsi. Ah, mais dis donc, tu es un homme, toi. Ben, moi, j'aime autant que tu sois pas un homme. Vite, demoiselle, sortez d'ici. Ce n'est pas la place d'une jeune fille comme vous. Prêtez-moi ma forte. Mais pourquoi cette brutalité? Qu'il court un peu s'il le désire. Mon petit, mon ange. Un vrai poison. Mais que peut-on espérer? Tes parents sont à moitié fous. Mais sa sœur est bien jolie, hein? Allez, yeah. N'empêche que si nous n'étions que tous les deux, même en chevauchant tranquillement, nous serions déjà à mi-chemin à présent. Ah, autant faire route ensemble puisque nous allons tous à Jérusalem. Nous aurions gagné de faire un voyage plus paisible. On se croirait avec une troupe de baladins. Écoute ces hurlements.
à vous, noble voyageur. Grâce à Dieu, braves gens, nous vous avons trouvé avant de rencontrer la mort. Vous voyez, compagnons, le Seigneur nous protège. Ce n'est pas aujourd'hui que nous mourrons. Nous avons échappé hier aux flèches des Sarrasins. Et aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens. Nous cheminerons ensemble. Chevalier, tu ne nous refuseras pas le pain? Non, ce n'est pas à moi qu'il convient de décider. Nous serons, je pense, encore mieux protégés si vous faites route avec nous. En route. Donne-moi à boire. Ah, oui. C'est pas frais, ton truc. Et moi. Est-ce que j'ai mal aux genoux? Boire un peu. Et tout gonflé. Mal aux pieds. Ouais. Mais c'est peut-être pas frais. Elle est bon. Ah. Tiens, elle est pas bonne, ta pomme? Elle est du sable. Ah bon? Chris, elle touche pas! Tu verras comment je m'en occuperai moi-même. Il va falloir ouvrir l'œil, Blanchot. Ces hommes ne m'inspirent aucune confiance. Je n'ai jamais vu de neige. C'est magnifique. La campagne, les arbres sont tout blancs. J'aimerais voir la France. Tout ce que je connais, c'est le sable et le soleil, les orangers et les palmiers. Peut-être pourrez-vous venir en France un jour. C'est épouvantable de voir ça. Oh, c'est bon. Youhou! Youhou! Oui, madame, votre cher petit. Arrêtez! Sinon, je le saigne comme un pigeon. Tout de suite! C'est ce que tu es, n'est-ce pas, un bandit? Ce soufflet, tu ne l'as pas volé, frérot, même si c'est elle qui te le baille. Mais toi, la fille, ne recommence pas! Toi, le chevalier, et toi, Blanchot, jetez vos épées. Sauvez mon fils, sauvez mon enfant. Oh, Gilles, silence, chouette de malheur. Rassemblez les chevaux, les mulets, les vivres. Oh, non, non. Je te donne ma parole de chevalier de vous laisser aller sans vous poursuivre, si tu nous rends l'enfant. Non, je prends les bêtes et je garde cet oison afin que vous ne me cherchiez pas quelques tours. Adieu! Laisse-nous un cheval et un peu d'eau. Rends l'enfant et je ne vous poursuivrai pas. Non!
Je vous poursuivrai, misérable. Jour et nuit, sans répit ni trêve. La corde pour vous est encore trop bonne. Mon enfant. Mon fils, oh Seigneur, ayez pitié. Priez, madame, si vous le jugez bon, mais épargnez-nous vos cris. Priez à voix basse, le Seigneur n'est pas sourd. Oh là 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 là. Je vous en prie, conservez votre souffle. Oh, mon enfant. Un peu de dignité, madame. Que désirez-vous ? Je ne veux pas que vous mouriez de soif. Tenez ! Nous ne voulons pas de votre eau. Reprenez-la. Thibault ! Thibault ! Laisse-moi partir à ta place, laisse-moi ! Non, reste ici avec eux, c'est préférable. Ils ont besoin de toi ici, Blanchot. Déjà plus de 2 jours que Thibault s'en est allé. Pourquoi tarde-t-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas encore ramené mon fils, dites? Un peu de patience, madame. Réfléchissez qu'il a fallu à Dieu toute une semaine pour créer le monde. Je sais qu'il est souvent malaisé de trouver de l'eau dans le désert. Enfin, il est parti depuis plus d'une heure. Va à sa recherche.
Et il a été tué avec son propre poignard. Hier, je vois disparaître mon frère. Et aujourd'hui, c'est lui qui meurt. Ce qui revient à dire, au lieu de faire 6 parts du butin, nous n'en ferons plus que 4. Elles n'en seront que plus grosses. Creusez-lui une tombe. Quelques bêtes qui rôdent. Non. Une bête marche avec plus de légèreté. Allons voir. Il faut nous en assurer. Toi, reste ici. Reste là. Quand je pense que je le soupçonnais d'avoir tué les autres. Ah, j'explique ça que d'une seule façon. Quelqu'un a dû nous suivre. Je ne crois pas à la disparition de ton jeune frère. C'est lui que je soupçonne. Et lorsqu'il nous aura tous tués, vous pourrez conserver tout le butin et vous le partager entre vous. Prends garde à ce que tu dis. Il est retourné auprès des voyageurs. Retrouver cette fille. C'est la faute de cet enfant maudit. Depuis qu'il est avec nous, nous sommes poursuivis par le mauvais sort. Mieux vaudrait le mettre à mort. Peut-être qu'après, la chance reviendrait. Maudit! Je ne vais pas attendre d'être massacré à mon tour! Nous sommes maudits! Reviens! Reviens! À nous deux, nous pourrons nous défendre! Je veux retourner chez mes parents, je veux m'en aller! J'aurais bien dû te tuer au lieu de t'emmener. Allez, avance!
Je sais que tu es là. Montre-toi si tu n'es pas un lâche. Montre-toi. Ou sinon j'étrangle cet enfant. Lâche. Ah, c'était toi. Tu as trahi la loi du désert. Va chercher les chevaux. Pas fait de mal, au moins. Je t'ai frappé qu'une fois, c'est tout. Et pour lui. C'est une honte. Qu'importe, mon ange, viens dans les bras de ta maman. Je t'avoue que je me suis demandé comment tu viendrais à bout à toi tout seul de ces six pillards. Il n'y en avait pas six, Blanchot. Il n'y en avait que cinq.